La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour. Comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio D'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. On va passer au chanteur d'aujourd'hui. Eh oui, l'invité. L'invité d'aujourd'hui n'est autre que Romain Vissel. J'ai son album sous les yeux, je vous garantis, c'est du bon. Hein. C'est magnifique. Des chansons à texte, une belle voix. Vraiment, je pense qu'on va passer une très très bonne soirée. Alors, Romain, il est de Ably, dans les Yvelines. Voilà, c'est pas à côté. Pas donc, la porte à côté. Donc. On l'aura au téléphone d'ici quelques minutes. Mais pour vous le présenter, ben, rien de tel qu'écouter un premier morceau de cet album, Là où je vais. Sur la route, je pars pour oublier ma vie passée. À présent, je sais où guider mes pas. Il faut de la patience, du courage pour chasser les vents qui voilaient tous mes rêves d'enfant. Regardez-moi, écoutez-moi, j'ai tant à vous donner. Gardez la foi, guidez mes pas. Sans vous, je ne pourrais. J'étais maladroit, sans confiance en moi. Mais aujourd'hui, je sais. Yeah.
Là où je vais, vous venez d'entendre l'invité de ce soir, Romain Vissel, issu de l'album Confidence. Comme je vous le disais, ça promet du bon. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment va Romain ? Bah écoute, très très bien, fraîchement mais ça va. Oui, il y a de la neige du côté des Yvelines ? Un peu, ouais. Un peu, il a bien neigé hier, il a bien neigé cette nuit. Là, ça va, ça a fondu cet après-midi. Mais bon, ça reste frais quand même. Bon. Alors, Romain, on est ravis de te recevoir sur les ondes de radio. Également. Voilà. Alors, je te signale, Romain, c'est pour te mettre un peu le trac d'entrée. Ok. J'ai le Facebook de la radio d'Artagnan qui est ouvert. J'ai des messages partout déjà. Bon, voilà, c'est moi, je suis stressé. C'est pas la peine. Comme ça, on sera deux. D'accord, bon, ok. Bon, allez Romain, on va commencer par te présenter, si tu veux bien. D'où tu es, quel âge tu as, vas-y. 25 ans. Oui, et tu es d'où ? Voilà, alors je suis originaire d'Ably, c'est dans les Yvelines. C'est en dessous de Paris ? Voilà, je vois dans les Yvelines, sud des Yvelines en fait. Alors, Romain, tu chantes très bien, tu as fait un album, ça démarre bien. Et justement, comment t'es venu le goût pour la musique ? Est-ce que tu as commencé jeune ? Explique-nous un petit peu. Alors en fait, ça a commencé très jeune. C'est-à-dire que ça a commencé au moment où j'étais, si je me souviens bien, en école primaire. Oui. Je me souviens, on avait une chanson en anglais à apprendre. Et à cette époque-là, j'avais une voix très très aiguë. C'est-à-dire que j'avais une voix limite... une voix de fille, si tu veux, pour être clair. Voilà. Et donc, je l'apprenais chez moi. Et puis, un jour, mes parents sont montés dans la chambre pour écouter comme ça. Et puis, ils se sont dit, waouh, quand même. Il y a quelque chose, quoi. Et puis, en fait, par la suite, j'ai commencé à reprendre des chansons de diverses artistes, de pop variété, quoi. Et puis, c'est venu comme ça, progressivement. Et puis, voilà. Alors justement, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des musiciens qui t'ont inspiré ? Alors oui, il y en a quand même plusieurs à l'époque où j'écoutais ces chanteurs. C'est-à-dire que moi, je me suis beaucoup inspiré de notamment de Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Patrick Bruel, Rock Voisine, enfin tous ces chanteurs-là, chanteurs à voix quand même. Et c'est ce qui m'a fait grandir, on va dire, voilà, c'est ce qui m'a fait grandir, quoi. Oui, mais dis donc, Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel, Rock Voisine, oui, c'est des pointures quand même, hein. C'est des pointures, c'est des pointures. Donc, c'est vrai que je m'étais amusé à reprendre sur des karaokés, même par-dessus leur voix et tout. Et puis bon, voilà, puis après, c'est devenu une habitude. Et puis après, par la suite, c'est devenu une grosse passion, quoi. Donc voilà, maintenant, j'espère que l'album Confidence marchera. Et puis on verra par la suite. Tout à fait. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit. Tout à fait. Voilà. Tu as cité aussi Daniel Balavoine. Bon, Daniel Balavoine, oui. Chanteur mythique. Pour ma part, du moins, c'est vraiment un chanteur mythique. C'est quand même un chanteur qui a une voix qui peut monter dans l'aigu. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai cette possibilité-là aussi, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand j'étais plus jeune, où je peux monter assez facilement dans les aigus. Et donc voilà, donc moi, j'ai testé du bon, ça marchait pas tout le temps, hein. Il y a des fois où ça partait un petit peu, ça dérivait un peu, mais voilà, moi c'est, je m'inspirais beaucoup de tous ces chanteurs là. Et est-ce que tu reprends justement des chansons de ces chanteurs là ou tu te consacres maintenant aux tiennes? Je reprends également des chansons de temps à autre de tous ces chanteurs là, quoi. Et puis je bosse beaucoup sur les mêmes aussi, mais bon, j'aime bien aussi des fois reprendre mon répertoire et puis voilà. Alors justement, ton répertoire, on le met dans quel style de musique Alors moi, je suis vraiment plus pop variété quand même, pop rock variété. Oui, il y a beaucoup de ballades, je trouve, sur cet album. Ouais. Non, mais on va le découvrir tout au long de la soirée. Je vous garantis, chères auditrices et auditeurs, vous allez écouter. Voilà. Mais apparemment, ça plaît parce que j'ai plus assez de pages là. La page est complète sur Facebook. Tout le monde m'écrit. Je peux pas tout lire en même temps. Voilà. Ouais, c'est gentil en tout cas. C'est gentil de leur part en tout cas. Alors, si tu veux, j'ai un premier message donc de Sabrina qui t'écoute. Elle te dit que tu as une très belle voix et elle te demande si tu ne chantes qu'en français ou si tu chantes aussi en anglais. Alors, je chante en français, je chante en anglais, je chante en italien. C'est tout ? Voilà.
Moi, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, je m'amuse des fois à reprendre des chansons de Andrea Bocelli, notamment Conte Partiro, que j'ai pu reprendre dans une autre radio, enfin bref, voilà. Et voilà, j'aime bien des fois reprendre des chansons même d'artistes comme Bocelli, ça fait quand même des sacrées voix. Et de par justement les cours de chant que j'ai pris dans mon passé, je peux me permettre éventuellement aussi certaines choses également. C'est très bien voilà. Tout ça. Alors Romain, tu as donc un album, je l'ai sous les yeux, je le confirme. Est-ce que tu es auteur-compositeur? Est-ce que tu écris? Alors, je suis uniquement, on va dire, interprète. Je travaille avec une équipe. Donc, je travaille avec Géraldine Potron, qui est une grande madame de la chanson, d'ailleurs à qui je fais de gros bisous, qui a travaillé notamment dans son passé avec une grande chanteuse française, Hélène Ségara. Donc, elle avait une collaboration il y a quelques années avec elle. J'ai travaillé également avec un parolier, donc Frédéric Bertrand, qui malheureusement lui est décédé en juillet dernier, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on va dire la majorité des titres ont été écrits par Frédéric. Et tous les, c'est assez près, toutes les musiques ont été composées par Géraldine. Après, bon, les derniers titres de l'album ont été écrits, on va dire, par moi et Géraldine. Notamment Là où je vais, qu'on vient de s'écouter. A été écrit par Géraldine et moi-même. Donc toi, tu écris entièrement ou comment tu fais? Tu donnes Alors moi, une si partie... tu veux, je donne un thème. Au départ, à Frédéric, je lui donnais un thème sur ma vie. C'est vrai que cet album-là, c'est vraiment un album autobiographique. Donc je lui donnais un thème et il écrivait la chanson, mais comme il le fallait, quoi. Je veux dire, c'était vraiment avec les mots exacts, vraiment la façon dont s'était passée mon histoire à cette époque-là. Donc voilà, et puis sinon après, quand Frédéric est parti, donc je commençais à écrire un texte à Géraldine, et après donc elle, je lui envoyais le texte, oui. Et elle remettait ça sous forme, enfin sa façon quoi, donc mais toujours retour, voilà, c'est vraiment, ça parle vraiment de ma vie en général, ma vie, enfin toute ma vie qui se résume là sur les deux années. D'accord. Voilà. Donc cet album vraiment te résume entièrement si tu veux. Voilà, c'est vraiment un album autobiographique. Toutes les chansons, tous les titres, c'est du vécu. Tous les titres, c'est du vécu. Alors, on dit que quand les chansons sont du vécu ou quand t'écris des textes vraiment réels, on dit que forcément toi, tu as une émotion quand tu les chantes et forcément, ouais. Ça donne de l'émotion à ton public de suite. C'est systématique, il paraît. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, notamment sur une chanson, je pense qu'on pourra écouter tout à l'heure, qui avait été écrite pour mon grand-père. Voilà, moi je vais pas en dire plus pour le moment, mais je pense que ça a parlé à beaucoup de gens lorsque que les radios l'ont diffusé pour la première fois, et c'est vrai que même certaines personnes en ont pleuré quoi, parce que c'est vrai qu'elle est très très émouvante, très touchante, donc voilà, on va dire c'est vraiment la chanson qui parle le plus, on va dire, sur l'album. Non mais c'est vrai que cet album est magnifique, hein. Je ne le dirai jamais assez, c'est vrai que... C'est gentil. Si, moi il m'a ému et tout, non c'est vrai. Alors Romain, moi je l'ai cet album, est-ce que d'autres radios l'ont? Est-ce que tu es diffusé ou est-ce que tu trouves de temps en temps des blocages radio? Comment fait un artiste pour faire évoluer maintenant cet album que tu as dans les mains? Alors je pense que c'est... Pour ma part, j'ai du mal... sans trop non plus en avoir, avoir de mal à me faire connaître. C'est-à-dire que ça va être pour des radios, justement comme Radio D'Artagnan, comme d'autres radios, on a la chance de pouvoir passer en direct comme aujourd'hui justement, et puis on a la chance de diffuser. C'est que c'est pas le cas sur toutes les radios. Et après, de la façon de se faire connaître, on a la chance également d'avoir des auditeurs fidèles à certaines radios. Et puis après, ça marche de bouche à oreille, quoi. Donc après, c'est vrai que je me suis pris des claques aussi par d'autres radios. En disant voilà, c'est pas mon style, là récemment il y en a une en disant voilà, c'est pas le style de notre radio, bon c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est vrai que après c'est compliqué de se faire connaître, oui non, parce que bon après ça marche beaucoup comme j'ai dit au bouche à oreille, et puis c'est grâce surtout aux radios qui me diffusent, et voilà, donc d'ailleurs que je remercierai jamais assez, parce que si on arrive à avancer de nos jours, c'est grâce à vous tous, donc un grand merci en tout cas à tous. C'est vrai, voilà, que les radios font une grande partie, je reconnais hein, que les radios font une grande partie, mais après c'est vrai que quand tu te produis devant ton public, et je pense que pour les chanteurs c'est la meilleure des solutions, hein, de se produire après, directement. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai.
Okay, mais après, c'est vrai que le public, on va dire, sans public, de toute façon, on ne ferait rien. Ça, c'est clair et net. Moi, je pense que on doit beaucoup aux radios, on doit beaucoup au public. Parce que, voilà, c'est sans public, il y a pas de chanteur, il y a rien, on resterait dans l'ombre, même si moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans l'ombre, je veux dire, il y a quand même une minorité de gens qui me connaissent, mais bon, ça viendra avec le temps, j'ai pas envie de me prendre la tête, on verra. Je suis content de mon album, je suis content de ce que je fais. Maintenant, comme j'ai toujours dit, ça marche, c'est très bien, je le souhaite, je touche du bois. Si ça ne marche pas, eh ben, ça aurait été une super belle expérience, je continuerai de chanter pour mon plaisir. Mais ça restera une super belle expérience et puis voilà quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Oui, et pour le plaisir de certaines personnes aussi sûrement. Hein, tu continueras voilà, à chanter. Tout à fait. Allez, et Romain, avant de faire une petite pause musicale, on expliquera la chanson aussi. Je vais essayer de fermer quelques messages Facebook et de te les dire avant. Hein. Oui, avec plaisir. Alors, il y a Joanie qui nous a écrit un petit message et qui te dit... Joanie. Et qui te dit bonsoir, un petit message pour mon ami Romain, fier de lui et qui continue à aller loin et à nous faire de belles, si belles chansons qui expriment tant de choses. Un gros bisou pour lui. Merci à vous de le faire passer sur votre radio. C'est gentil, Joanie. Et voilà, c'était un message pour toi, Romain, ça. Bon, si ça continue comme ça, on va me faire pleurer. Hein. Faut arrêter, là, quand même. Non, c'est très très gentil. Ne pleure pas. Plein de gros bisous. Je lui fais plein de gros bisous. C'est vrai que c'est très touchant, très émouvant et ça donne la pêche, ça donne envie de continuer tous ces messages-là. Donc, j'en ai des frissons, quoi. J'en ai un deuxième. Vas-y, on enchaîne. Françoise Serin, qui suit bien Radio D'Artagnan, et je la remercie de m'envoyer toutes ces vedettes aussi, hein, je le reconnais, merci beaucoup Françoise. Et elle nous met à l'écoute Corinne, bon artiste aussi Romain, j'ai eu le bonheur de l'écouter en live au concert talent Radio Vague, où il a partagé le plateau avec Kevin Evans, qu'on a eu d'ailleurs Kevin Evans dans l'émission. Oui, exactement, oui. Voilà, donc Françoise t'écoute aussi. Bah, merci beaucoup, c'est très très gentil, puis je lui fais plein de gros bisous également. Voilà. Après, c'est des questions, donc les questions, elles viendront au fur et à mesure. Alors, si tu veux bien, Romain, on a dit qu'on allait découvrir ton album ce soir, hein, on va en profiter, surtout, en plus, on t'a à l'antenne, donc rien de mieux. On va écouter L'amour glisse. Oui, L'amour glisse. Alors, pourquoi il glisse, l'amour? Explique-nous un peu. Ah, ben, l'amour glisse, l'amour, ça glisse, c'est merveilleux, c'est beau, c'est, voilà. Quand tout se passe bien, on va dire ça, c'est beau. Mais d'ailleurs, même quand tout va mal, des fois, ça peut être beau aussi. Oui. Donc, voilà, ça, l'amour glisse, tout, ça résume, moi, pour ma part, ça résume une partie de ma vie où tout se passait très, très bien. Comme le titre l'indique, là, l'amour glissait, quoi. Tout se passait superbement bien, quoi. Bon. Voilà, ça se résume à ça. Alors la prochaine fois, tu mettras l'amour au revoir ou l'amour, je sais pas. Hein. Oui, hein? Je pense que oui, la prochaine ça va être ça. On va mettre en gros célibataire. Voilà. Alors là, il fallait pas le dire parce que j'ai le Facebook qui va saturer après. Alors. Justement, il y a Nati qui nous écoute tous les mercredis soirs et qui écoute de la région parisienne et qui te dit c'est justement ma préférée. Yes, elle nous met. Oui. La chanson à savoir par rapport à ce qu'il y a sur YouTube, elle n'est plus en duo. Je tiens quand même à le préciser avant de l'écouter, ce n'est plus une chanson en duo. Oui. Voilà, c'était repris c'est un solo maintenant, donc voilà. D'accord. Elle est tout aussi bien. Ben, je me doute bien, oui. Oui. Voilà. Allez, on va écouter ça de suite, Romain, L'amour glisse, et je vais en profiter, bien sûr, à dire à mes auditrices et à mes auditeurs. Donc, allez-y, posez vos petites questions à Romain, ou envoyez-lui tout simplement un petit message via le Facebook de la Radio D'Artagnan, ou tout simplement par contact, @radiodartagnan.com. Romain est très ému, voilà, donc envoyez-lui les messages, ou les petites questions. Je suis sûr que Romain, tu te feras un plaisir de répondre aux petites questions de nos auditrices ou de nos auditeurs. Une joie, un honneur et un grand plaisir de répondre à toutes ces questions. Bon. Voilà. Allez, je vais faire de la place sur le Facebook pour recevoir les autres messages. Tout de suite, l'amour glisse et toi, Romain, tu glisses pas, tu restes avec nous, hein? Je reste là, il n'y a pas de souci, je ne glisse pas. Est-ce que je peux être égal face à l'amour? Même le principal réveille mes peurs toujours. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. C'est comme si je me ferme à l'infini.
Très belle chanson, hein. L'amour glisse. Bon, ben, t'as réussi à bien le faire glisser, hein. Ça, c'est clair. Ah ben, voilà, ça résume bien. Oui, oui, tu l'as très bien résumé. Franchement, chères auditrices et chers auditeurs, il faut vraiment se procurer cet album Confidence, mais on dira après comment il faut se le procurer, il n'y a pas de souci, notez bien, Romain va vous expliquer tout ça. Voilà, tout à fait. Alors, Nathiel te fait dire, très belle en solo également, même si la voix de Caro était bien dessus, voilà, elle adore ce titre. C'est vrai. C'est vrai que la voix de Caro faisait beaucoup, mais bon, voilà, maintenant c'est devenu un solo, donc, que d'ailleurs que j'adore également. Donc voilà. Voilà. Non, non, mais très très bien. Alors, si tu veux bien, Romain, on va partir un peu dans ton parcours dans la musique. Est-ce que tu as fait du solfège? Alors, je n'ai jamais fait de solfège. J'ai pris des cours de chant. J'ai pris des cours de chant, de chant lyrique notamment. Oui. Et, ça m'a permis d'acquérir pas mal pas mal de techniques, on va dire, vocales. Et voilà. Sinon, après, j'avais appris à jouer un instrument, donc la guitare. Et en fait, la guitare, si tu veux, on m'a offert une guitare à Noël. Mes parents m'avaient offert une guitare. Et puis j'ai appris tout seul. Voilà, j'ai appris quelques titres seul à la guitare et voilà. Donc j'espère pouvoir rejouer par la suite certains de mes titres à la guitare sur scène. On verra comment ça se passera à ce moment-là. Alors explique-moi comment on peut apprendre à jouer de la guitare tout seul. Alors moi j'ai beaucoup regardé surtout. En fait j'avais un ami qui jouait de la guitare et qui venait tous les dimanches, pas pour m'apprendre mais pour montrer certaines choses quoi.
Et en fait, bah, j'ai suivi ce qu'il me faisait, et puis bah, par la suite, bah, je m'y suis mis tout seul. Et puis voilà, c'est un enchaînement. Et puis en regardant des fois sur des sites internet, bah, il y a des partitions, bah, tu suis les partitions, parce qu'ils montrent les doigtés et tout au niveau du manche de la guitare. Donc voilà, j'ai appris comme ça tout seul, petit à petit. Et même à l'oreille, par moment, j'écoutais des titres, et puis bah, je reprenais, j'essayais de refaire à peu près la même chose. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Après, bon, je suis pas non plus un expert de la guitare, mais je me débrouille. Et tu as commencé à quel âge de jouer de la guitare? Alors la guitare, j'ai dû commencer vers l'âge de 13, 14, voire 15 ans. J'ai plus trop l'âge exact. Ça fait un bon moment maintenant. Donc j'ai plus trop l'âge exact. Justement, je te coupe, Romain, parce que justement j'ai un message de Nati, de notre auditrice, qui me dit Romain a appris la guitare à 11 ans et depuis il ne l'a pas laissé tomber, j'espère. Tu vois, les auditrices répondent à notre place, hein, tu vois. Non, elles sont là. J'ai deux guitares, une électroacoustique et une guitare acoustique. Elles sont là, elles sont devant moi, je les regarde là. Elles vous passent le bonjour d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que, bon, si tu sais bien jouer de la guitare, c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, faire un concert, toi, avec les chansons que tu as et la guitare, un solo guitare-voix, c'est vrai que ça peut donner quelque chose de très bon. Faire un genre de concert en acoustique, ça peut être pas mal, accompagné de d'autres guitaristes, ça peut être pas mal également. Faire un beau petit concert comme ça, bon, à voir, on verra par la suite. Voilà. Alors, donc, tu ne joues que de la guitare, hein. Est-ce que tu prévois de t'instruire sur d'autres instruments, comme le piano, je sais pas, moi, alors, la batterie? Tu vois, le piano, bah, pareil, le piano, j'ai appris tout seul. Je joue un petit peu de piano, vraiment un tout petit peu. Et voilà, c'est pareil, j'ai appris à placer mes doigts tout seul sur le clavier, et puis, bah, ça m'arrive de temps en temps de jouer un peu de piano également. Mais c'est pareil, tout seul, j'ai jamais pris de cours, voilà, c'est vraiment ma passion, c'est... Je me débrouille comme je peux, voilà. Alors je joue pas juste une main, juste avec la main droite, hein. Non, je joue avec les deux mains, voilà. Voilà. Après, bon, sinon il y avait la flûte quand j'étais à l'école, mais bon, ça j'en parle pas. Oui, comme moi, quoi. Ouais. Voilà, un peu comme tout le monde. Voilà, alors moi j'évite d'en parler parce que il y aurait de la neige tous les jours, plus de la grêle, plus... bon, hein. Des fois, la flûte... C'est vrai que tout le monde y passe, à la flûte, quand on est à l'école. Je veux bien t'accompagner, mais là, t'as pas peur, hein, mon pauvre Romain. Oui, t'as pas peur, là. Au cœur de la lune, oui, tout à fait. Oui, bon. Pourquoi pas? Elle serait plaquée l'air, la lune, je crois, avec nous, avec moi, du moins. Bon. Alors justement, j'ai une petite question de Sabrina qui te demande, est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as des musiciens qui t'accompagnent? Alors, pour l'instant, je suis tout seul. C'est-à-dire que pendant les concerts, je vais chanter sur des bandes-son. Mais j'ai été contacté par un batteur. Donc il m'a proposé, on va dire, ses services, parce qu'il a un groupe, lui, aux alentours de Chartres, donc dans le Eure-et-Loir, et donc ils ont écouté un peu ce que je faisais, et puis ils ont beaucoup accroché. Oui. Donc on va voir, je suis en contact avec eux, et puis je devrais les rencontrer là très 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 prochainement, et puis bah, pourquoi pas commencer quelque chose en groupe, quoi, reprendre mes titres, mais avec un groupe, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être bien. Parce que quand tu fais des concerts, tu te déplaces tout seul, tu n'as pas actuellement un groupe à toi ou avec des musiciens. Je me déplace tout seul avec mon CD sous le bras. Voilà. C'est déjà bien, hein, parce qu'il y en a, ils se baladent sans CD. Ah oui, non, ça c'est un peu compliqué là. Eh ben voilà, donc. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que pourquoi pas, si tu vas un peu plus loin, monter un groupe, avoir ton propre groupe à toi avec un batteur, un guitariste, tout ce qui va et toi au chant. C'est mon souhait, c'est vrai que ça donne un autre rendu sur scène, et ça fait plus de spectacles, plus de, voilà, ça, on va dire, ça grossit la scène, on va dire, donc voilà, à voir par la suite, et j'espère que ça va se faire, j'espère vraiment que ça va se faire, et... parce que moi, à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un groupe, on avait fait un concert d'ailleurs sur Dreux, pareil, dans l'Eure-et-Loir, ça avait très très bien fonctionné, et bon, par la suite, après, c'était un petit peu compliqué, parce qu'ils me demandaient de faire certaines choses qui n'étaient pas dans mon registre. Donc moi je ne voulais pas, ils me forçaient à le faire, donc bah, écoutez, j'ai dit, bah, écoutez les gars, c'est comme ça, bon, on arrête tout, moi j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre, juste pour vos beaux yeux, moi je suis moi, je reste moi-même, et puis c'est tout, on me prend avec ma voix ou on me prend pas, quoi. Mm-hmm. Voilà, bon. Tout simplement. Alors j'ai des messages qui affluent, hein, comme d'habitude, tu vois, tu as dit le mot tout à l'heure qu'il ne fallait pas, je t'ai vite arrêté quand on a dit la police, que tu as dit que maintenant tu étais célibataire, mon petit Romain, voilà. Alors il y a Sabrina qui te fait dire, si tu as besoin de choriste, je suis là, Loyal, elle te met.
Bah écoute, voilà. Avec grand plaisir, elle envoie tout. Alors, elle envoie une démo à Géraldine. D'ailleurs, Géraldine, je lui fais un coucou parce que je sais qu'elle écoute là. Oui. Je lui fais un gros bisou. Mais alors voilà, elle envoie sa démo à Géraldine et puis après, elle s'arrange avec elle. Moi, j'ai... Voilà. Bon, et eh bien, Géraldine, voilà. on va faire un petit message à Géraldine. Préparez-vous parce que le fan club de Romain Vissel, il y en a un aussi à Radio D'Artagnan. Hein, vous allez être saturé de messages, Géraldine. Hein, voilà. Donc, il fallait lui dire. Hein. Alors, on a un petit message aussi de Laurent Diffre, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Radio Belgrade, et qui nous fait dire encore une bonne émission ce soir avec Corinne. Je le remercie, voilà. C'est un nouveau talent aussi qui est passé dans l'émission, et voilà. Ça fait toujours plaisir, hein, après les messages. Bah, c'est clair. Ça encourage, et ça donne, voilà, ça fait vraiment plaisir à chaque fois, de sentir qu'on a du monde derrière soi, quoi. Donc, c'est vraiment plaisir. Tout à fait, ça veut dire que ça plaît et, voilà. Et forcément... Ça booste après pour la suite et c'est bien. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai que moi à mon échelle, on va dire, c'est un peu intimidant, quoi, parce que bon, comme je dis tout à l'heure, moi je suis pas non plus connu, même reconnu. Donc, mais c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et ouais, moi c'est vrai que ça m'encourage et ça me booste pour la suite. Et voilà, je me dis, je m'arrêterai pas là. Je peux pas m'arrêter là. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non. Voilà, tu as dit le mot là, c'est pas possible. Non. Non. Alors Romain, tu as pris donc des cours de chant. Je vois que tu les as pris à l'âge de 19 ans, ces cours de chant lyrique, oui, ce que tu disais tout à l'heure pour perfectionner ta technique. Et est-ce que tu prévois justement de refaire des cours de chant pour améliorer ta voix, pour pousser dans l'aigu, ce que tu disais tout à l'heure? Est-ce que tu prévois de refaire des cours de chant? Alors oui, je vais voir pour reprendre des cours de chant parce que je pense que c'est essentiel quand même. Il y a quand même beaucoup de techniques, mais j'ai encore beaucoup de techniques à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est pas parce que je sais aligner deux notes correctement que je sais chanter tout de suite. Donc il y a quand même beaucoup de techniques à apprendre et j'en ai besoin parce que voilà, c'est comme ça. Et donc oui, j'envisage de reprendre des cours de chant par la suite, ouais, très très prochainement. C'est vrai que des cours de chant, ça fait pas du mal, hein, d'en faire, comme tu dis, pour évoluer et pour voir. Parce que je pense aussi que quand on prend des cours de chant, le professeur peut t'expliquer aussi ou te dire, voilà, une chanson comme ça te va bien, une chanson comme ça ne te va pas bien, t'influencer aussi dans les choix musicaux. Je pense, hein. Bah, c'est clair. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai commencé mon aventure avec Géraldine, on savait pas du tout où aller. C'est-à-dire que moi, j'avais pas de style. Je voulais faire quelque chose de différent. Oui. J'avais mon style. Ça a toujours été variété. Mais si tu veux, au départ, je voulais vraiment faire quelque chose de différent, quelque chose qui se démarquait. Et je me suis dit, à la longue, au fur et à mesure qu'on avançait avec Géraldine et puis Frédéric, je me disais, mais pourquoi faire quelque chose de différent? Ça va pas être moi. Alors pourquoi essayer de représenter autre chose? Non. Alors, du coup, on est vraiment resté sur de la pop variété. Et voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose qui me représente. Et puis, après, c'est vrai que les cours de chant, oui, oui, de toute façon, c'est indispensable. Hein, c'est indispensable. Oui, je pense. Pour évoluer, du moins, dans la chanson, je pense que, voilà, pas peut-être en faire continuellement, mais faire quelques cours de chant, oui, je pense que ça peut être bénéfique, oui. Ah bah oui, complètement, oui. Ouais. Complètement. Alors, on va encore découvrir un morceau de ton album qui n'est autre que Confidence, et d'ailleurs c'est le titre de l'album. C'est le titre de l'album, ouais, Confidence. En fait, Confidence, alors c'est pareil, ça résume une partie de mes histoires. Et en fait, Confidence, donc c'était le dernier titre, le tout dernier titre qui a bouclé l'album. Il a été enregistré il y a peut-être 2-3 mois, je sais plus trop exactement. Et voilà, c'était vraiment le dernier titre. Et il résume, on va dire, les derniers moments de ma vie, là, les derniers moments des deux années qui se sont écoulées. Voilà. Bon, c'est un duo. Et voilà, alors explique un peu ce duo. Et oui. Il y a pas grand chose à expliquer. c'est Géraldine qui m'a fait connaître donc Elodie, donc la fameuse fille qui chante avec moi sur Confidence, qui a une magnifique voix. D'ailleurs, je pense que certaines personnes pourront la comparer à un certain moment avec Hélène Ségara, d'ailleurs. Elle a une magnifique voix et voilà, c'est Géraldine qui m'a trouvé cette petite perle et on en a fait un duo, mais juste, enfin moi personnellement, je le trouve mais juste somptueux, quoi. Il est magnifique. Voilà, ce qui fait un duo de deux perles.
Ah, oh, c'est gentil. C'est gentil. J'ai cru que je t'avais perdu sur le coup. C'est très gentil. Merci alors, beaucoup. Alors, j'ai un petit message de Mylène Gulbert, qu'on connaît très bien à Radio D'Artagnan. Et elle te met à écouter sans modération Découverte de Radio D'Artagnan. Bravo, elle nous met. C'est très, 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 très gentil. Je l'embrasse très, très fort. Et merci, merci, merci encore pour ce message de soutien, pour tous ces messages de soutien. Et j'espère qu'il y en aura d'autres encore, ça fait toujours plaisir. Oui, oui, ça donc, s'ouvre, voilà. Hein, t'inquiète pas, ça s'ouvre. J'en garde parce qu'au fur et à mesure de l'interview, il y a des questions, mais je t'en garde, ne t'inquiète pas. On va écouter Confidence, ce superbe duo. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer donc vos messages ou vos petites questions hein, à Romain. Il se fait un plaisir de vous répondre, vous voyez bien. Donc via le Facebook de la Radio D'Artagnan ou tout simplement par mail à contact@radiodartagnan.com. Je me ferai un plaisir, bien sûr, de les transmettre à Romain. Allez Romain, on est parti. Confidence. Allez, c'est parti. C'est tout de suite. Je suis près de toi en pensée. Pourquoi nous être éloignés? Je me souviens de nos baisers. Je vois cette horloge tourner. Le temps pourrait se figer. Rien ne m'arrête pour te chercher. Je pense à la même histoire, criante de désespoir. Je t'ai fait mal, c'était fatal. Tu es présent chaque jour, tu es mon seul amour. Mais pourtant, je brise le temps. Donnons-nous la peine d'y croire. Commencer une nouvelle histoire. Oublier les dérives du passé. Vivre dans la confidence, balayer nos pires souvenirs, nous offrir les meilleurs instants, pouvoir arrêter le temps. Demain tout sera comme avant. Je saigne encore de ton départ, ton regard ne s'efface pas. Malgré les autres, je pense à toi. Tu es là, assis devant moi. Tu n'oses faire le premier pas. Je tends la main, j'oublie déjà. Accuse toutes mes défaillances, ma lâcheté, mon ignorance. Délivre-moi ce poids. Recommencer à zéro, pardonner nos défauts. Donne-moi cette chance une dernière fois. Donnons-nous la peine d'y croire. Commencer. Nous avons
commencer une nouvelle histoire. Superbe. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Magnifique chanson, chapeau. Merci beaucoup. Bon, je vais lire les quelques messages qui arrivent, que je puisse les fermer au fur et à mesure. Il y a Gérard Alexandre qui te fait dire « Moi aussi, je peux chanter à ses côtés, par contre, je suis mariée. » Ah, dommage. Bisou, mon bébé. Dommage, j'ai Gérard. Un gros bisou. Hein voilà. Donc, on va le faire, on va le faire. Je lui fais la promesse quand j'entends en Dieu tous les deux. Voilà, on va le faire. Bon, vous avez compris Gérard, hein, préparez-vous, il va faire un duo avec vous. Et ensuite, on a Sabrina qui nous écrit « Heureusement qu'il y a une émission comme celle de ce soir, afin de découvrir ses beaux talents, ce serait dommage de passer à côté. Alors merci à toi, petite Corinne. » Voilà, quelqu'un qui sait que je suis petite. Voilà. Même déjà qu'il ne savait pas, maintenant on le sait tous. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Bon, et Nati qui te met un gros cœur, waouh, je ne sais pas quoi dire. Voilà, la chanson, c'est vrai, magnifique. Bon, merci, tu vois, hein, ça réagit bien, hein, les messages. Bon, bah, tant mieux, c'est bien. C'est que ça plaît, mais bon, je m'en doutais. Allez, ah, mais bon, il en faut pour tout le monde, donc ça me peut ne pas plaire également, donc ce que je comprends également, il en faut pour tout le monde. Donc mais là pour le moment c'est que du bon retour, donc je suis content, je suis très 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 très, très content. Il faudrait être ah, vraiment mais bon, difficile. Il y a de tout, malheureusement non, mais heureusement qu'il y a de tout d'ailleurs. Tout à fait. Bon. Et c'est vrai, voilà. Que justement dans cette émission on passe de tout, on a eu un DJ, on a eu du rock, on passe vraiment de tout, et c'est vrai que les auditeurs et auditrices de Radio D'Artagnan, ils sont éclectiques, ils aiment un peu tout, et c'est ça qui est bien, moi je trouve. Voilà. Ouais, non mais c'est les gens qui sont ouverts comme ça, c'est bien parce que voilà. On est une radio aussi qui passe de tout, hein, comme musique, voilà, des années 70 à maintenant. Et, ouais, exactement. C'est ce qui j'ai faut. Pu écouter auparavant, donc il n'y a pas de souci, je sais tout ça. Bon, mais si tu veux être animateur de Radio Artagnan, il n'y a pas de souci, hein. Ah, ça fait un peu loin quand même, non? Oui, ça fait rien, on te logera et tout ici, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Ah, d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va essayer de passer à ton évolution artistique, Romain, parce qu'une évolution, d'accord, est liée. Et est-ce que tu as fait déjà le conservatoire au départ? Alors, oui, pour les cours de chant. Oui. Pour les cours de chant, j'ai fait du conservatoire pour les cours de chant, et bah, c'est tout. D'accord. C'est tout. J'ai fait un certain temps, et puis voilà. Est-ce que tu as fait des concours de chant, toi? Des concours de chant pour savoir si tu es meilleur que d'autres, si tu plais déjà, si tes chansons plaisent, ou est-ce que tu as fait des concours? Alors déjà, oui, j'ai fait des concours de chant, mais pas pour voir si j'étais meilleur que d'autres. Ou... Oui. Parce que de toute façon, il y a tous les styles. Donc moi, je n'ai pas fait les concours de chant pour mesurer aux autres. Si j'ai fait les concours de chant, c'est pour moi uniquement, pour voir si j'avais des possibilités à être pris quelque part, ou bien même d'entendre les critiques également des jurys, parce que voilà, je pense que les critiques également, c'est ce qui nous fait progresser. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va me renfermer sur une critique, mais au contraire, je prends toutes les critiques comme constructives. Donc c'est ce qui m'a fait avancer, c'est ce qui a permis également de faire de la bonne confidence. Maintenant, oui, j'ai fait des concours, notamment donc la Nouvelle Star à 3 reprises, malheureusement sans succès. Et j'ai fait également là récemment donc une émission qui va apparaître sur France 4 à partir de la semaine prochaine, donc vendredi prochain, le 22. Donc ça s'appelle Qui chante le plus juste. Donc on pourra me voir sur le plateau télé. Alors quel jour je ne sais pas, parce que ça passera tous les vendredis. Donc à chaque vendredi à partir de 20h35, il y aura deux émissions. Oui. Donc après quel jour je vais passer, quel vendredi je vais passer à la télé, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas. Il faudra suivre. D'accord. Voilà, tous les vendredis à 20h35 sur la 14, sur France 4. Voilà. C'est vrai, j'ai pas entendu parler de cette émission, mais on va regarder. C'est vrai, alors, que, ouais, te voir. Elle n'a pas été très très. Il n'y a pas eu beaucoup de pub pour cette émission. Alors justement, puisqu'on parle de ces émissions, bon, il y a Star Academy qui a recommencé, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a The Voice qui est à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces émissions, personnellement? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je pense que voilà, après,
Après, le fait d'avoir participé à ces castings-là, je pense que je peux avoir un regard aussi à ce objectif par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, ces émissions, je me suis rendu compte par la suite, et j'ai appris par source sûre par la suite, que de toute façon, tout était déjà fait avant même que l'émission se termine. Donc au moment déjà des castings, ils savent déjà très bien qui va remporter le concours. Donc c'est un peu dommage, parce que bon, ça laisse peu de chance aux personnes qui veulent essayer de faire quelque chose. Parce que bon, malheureusement, les artistes qui sont pris et qui sont pris à la fin, qui gagnent la finale, ont déjà quelque chose derrière. Moi, je regarde The Voice là, quand on parle d'Alexandre Chassagnac, je le suis. Malheureusement, il a déjà fait quelque chose. Il a déjà fait une émission de télé, il a déjà fait quelque chose. Maintenant, je ne le critique pas, bien au contraire. Je trouve ce qu'il fait, c'est juste talentueux, parce qu'il a une voix, moi, me donne des frissons. Mais voilà, il y a déjà quelque chose derrière. Il y a déjà quelque chose derrière. Je prends l'émission qu'il y a eu aussi avant. Il y a eu Sonia Lassen dans l'émission. Oui. Il y a eu quelque chose derrière. Il y a eu un film avec Sonia Lassen. Il y a eu des concours également derrière. Il y a déjà eu quelque chose. Elle a chanté avec Christophe Willem. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et malheureusement, ça laisse peu de chance aux artistes comme moi, comme d'autres qui veulent essayer de percer pour justement arriver à quelque chose, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Tout est déjà fait d'avance et c'est dommage. Voilà. Donc tu es pas trop pour ces émissions là. Et en plus de ça, des chanteurs comme toi, si tu viens à passer dans ces émissions, The Voice et tout ça, on impose les chansons, donc tu ne peux même pas te permettre de chanter tes chansons à toi. Ah ouais, par contre toi, ouais, c'est des chansons connues, donc oui. Ouais, on peut pas. Bah, je pense qu'après c'est normal, dans le sens où les gens veulent entendre des chansons connues pour pouvoir juger par la suite. Mmh. Donc je pense que c'est normal. Après c'est leur façon de faire également, donc. Bon. Moi, je suis pas trop, j'adore pas trop leur façon de faire, mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais enfin, comme voilà. Tu vois, le gagnant de The Voice, je le dis assez souvent, de l'année dernière, il est juste à côté de chez nous, ici, Stéphane Amaison. Bon, il a gagné, si tu veux, The Voice, et après, il a fait cet album qui est tout en anglais. Oui, exact, j'avais vu, quand je suis parti me balader à Carrefour, j'ai vu l'album, justement, donc je me suis permis d'un peu de regarder. C'est vrai que c'est que de l'anglais, mais pourquoi? Moi, voilà. Alors, c'est clair, moi aussi, j'ai fait un titre en anglais sur mon album. Je l'avoue, ok. Mais pourquoi un album entièrement en anglais? Alors c'est vrai que bon, c'est ce qui passe le mieux à l'heure actuelle à la radio, même partout, les gens écoutent beaucoup en anglais. Bah, après moi c'est clair que moi je le reconnais par moments, c'est que la chanson, les chansons anglaises, c'est juste magnifique. Moi j'ai une grosse préférence pour les chansons en anglais quand même, mine de rien. Mais pourquoi? Bon, la question c'est ça, c'est pourquoi en anglais, je sais pas. Voilà. Alors, après, c'est un choix. Est-ce que c'est lui qui a fait le choix? Est-ce qu'on lui a donné Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Bon, personnellement, on a acheté l'album, hein, forcément, puisque c'est un chanteur à côté d'ici. Bon, on a acheté l'album, mais bon, je pense que c'est un album qui ne marche pas tellement. Bah non, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on a en France, on a quand même une belle langue. Pourquoi pas s'en servir? Je veux dire, pourquoi pas utiliser le français pour des chanteurs français? Je veux dire, pourquoi aller faire des titres en anglais, encore bon, on peut en mettre un, deux dans un album, ok, ça peut faire une belle transition, mais pourquoi un album complet? Alors après certes, c'est peut-être que ça lui a été imposé, je ne sais pas, après voilà quoi, mais voilà, c'est dommage, surtout qu'il avait, il a quand même une sacrée voix, donc c'est dommage. Ça dénature un peu. Ouais, c'est. Je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Oui, mais, oui. Je suis de ton avis aussi. Oui. On a de très belles chansons et de très bons chanteurs français. Et comme tu dis, on est en France. Bon, voilà. Mais bon, c'est chacun son style. Chacun le voit peut-être différemment. Et bon, on peut pas aller outre de tout ça, hein, de toute façon. Ah non, c'est sûr. On reprend pas le monde comme on dit. Mais bon. Non. Voilà, c'est comme hein ça. ça serait bien ça. Si on pouvait refaire le monde. On aurait beaucoup de choses à refaire. Hein. Oui, c'est vrai, on aurait beaucoup de choses à refaire, mais bon, voilà. On va pas s'en plaindre, contrairement à ce qu'on peut voir à côté, donc voilà. Bon, alors, Romain, ton album, je l'ai sous les yeux. Est-ce que tu as déjà sorti des albums ou des démos avant cet album Confidence? Alors, il y a eu donc auparavant, qui a de ça maintenant, soit 7-8 mois, j'ai sorti un single donc qui est en téléchargement sur toutes les plateformes donc de téléchargement légal. Qui s'intitule donc Be Yourself, on retrouve mon titre en anglais, genre là, parce que moi aussi j'ai fait un titre en anglais sur l'album, et notre chanson d'ailleurs que tu aimes beaucoup, il me semble, aussi loin que l'on peut. Donc voilà, donc ces deux titres-là sont en téléchargement, les gars, sur toutes les plateformes encore maintenant. Bon, j'ai pas besoin de la télécharger, heureusement, je l'ai sous les yeux, heureusement. Oui, tu l'as sous les yeux. Oui, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais bon, on l'écoutera à la fin.
Et donc après, il y a cet album, Confidence. Oui. Hein? Et est-ce que tu as eu l'opportunité de travailler avec des artistes, entre autres? Alors j'ai eu la chance et l'honneur et le grand plaisir de pouvoir chanter à côté de ma grande amie à moi maintenant. Donc c'est David Stéphan, qui est un artiste que moi j'admire beaucoup. J'admire beaucoup. C'est un artiste complet, tant humainement que artistiquement. Moi j'adore ce gars et ce qu'il fait. Et il travaille également avec Géraldine. Et j'ai eu la chance de pouvoir partager des scènes avec lui, chanter à ses côtés, notamment sur You Raise Me Up, pour la Croix-Rouge. On avait fait un concert pour la Croix-Rouge. Oui. Et puis pour d'autres manifestations également. Et ça a toujours été un énorme plaisir de pouvoir chanter à ses côtés. Alors voilà. D'ailleurs, David Stéphane, je l'ai contacté. Je pense qu'il passera dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA prochainement. Oui, je pense aussi. C'est quelqu'un. Il est très très occupé actuellement parce qu'il est en pleine préparation de son single et de son album. D'ailleurs, qu'il promet. Je le recommande. C'est vraiment quelqu'un de magnifique. C'est vraiment quelqu'un de magnifique. Voilà. Alors justement, en parlant d'artistes, j'ai une petite question de Gérard qui te demande: connais-tu Adeline Ferrer et es-tu prêt à faire un duo avec elle? Alors oui, je connais Adeline. Je la connais même très bien. Via Facebook, parce que malheureusement voilà, elle habite à La Réunion. Après oui, alors c'est devenu une très très bonne amie maintenant, malgré la distance. Maintenant faire un titre avec elle, avec grand plaisir, parce qu'elle a juste une voix en or, c'est une voix de cristal qu'elle a, c'est une voix cristalline. Et moi c'est pareil, à chaque fois que j'écoute ses reprises qu'elle fait, mais c'est des frissons qu'elle me donne. D'ailleurs j'invite tout le monde à découvrir ses chansons sur YouTube, même sur sa page. Il y a juste à taper Adeline Mouniama Ferrer. C'est juste des chansons, des reprises qu'elle fait, mais elle a une voix sublime. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magnifique. C'est magnifique. Ce sera avec grand plaisir un jour de pouvoir partager une chanson avec elle, ça j'ai écouté. Bon, alors Romain, je sais que tu es engagé, mais avant de parler justement de cet engagement dans une association, je vais essayer de fermer quelques messages et te les dire avant. Alors tu as Amandine qui t'a envoyé un petit message. Romain, c'est vraiment une voix et un vrai talent, je lui fais de gros bisous. Merci beaucoup Amandine. Voilà, mais je vais mettre à pleurer, hein. C'est pas possible. Ouais. Tiens le coup, surtout Romain, tiens le coup, il nous reste encore du temps. Hein. Après, tu as Gilles qui nous envoie un petit message. Je salue mon cher Romain, je suis très fière de lui et je l'embrasse. Je serai toujours là pour toi. Romain a beaucoup de talent et c'est un bosseur. Très heureux de l'avoir découvert, c'est un exemple pour beaucoup. Je salue votre radio et vous remercie. Voilà, et Adeline, je veux ce duo avec toi. Il y a marqué. Ouais, c'est juste magnifique tout ça. Après, moi, je tiens à préciser également, parce qu'il me le faut de le préciser, c'est que Gilles, c'est lui qui est à l'origine de tout actuellement, à l'origine de maintenant. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, Gilles, j'ai commencé l'aventure il y a 2 ans. Mmh. En fait, ça s'est passé comment? Ça s'est passé qu'au départ, je mettais des vidéos sur Facebook. Et un jour, j'ai repris une chanson de Christophe May que je jouais à la guitare, d'ailleurs, qui doit être sur mon Facebook, parce que je l'ai jamais enlevé. J'ai repris une chanson de Christophe May, donc je me suis filmé. Et Gilles est tombé dessus, par hasard, comme ça. Il est tombé dessus. Oui. Et donc il m'a contacté. Il m'a dit, écoute, voilà, t'as une voix sublime, il y a possibilité de faire quelque chose avec toi. Et il m'a orienté justement vers Gérald, vers plusieurs compositeurs, oui, et arrangeurs, et vers plusieurs également paroliers. Et notamment vers Géraldine et Frédéric, avec qui je suis rentré en contact. Et avec qui j'ai pu faire ce beau bébé que je présente maintenant. Donc c'est voilà, tout est parti de Gilles au départ. D'ailleurs que je le remercie énormément, je le remercierai jamais assez, quoi. Voilà. Bon, le message est passé. Et ensuite, tu as un bonsoir, l'album de Romain, une vraie mine d'or, un chemin de chansons où l'on vit une histoire à chacune d'elles. Album super. Merci Romain à toi et à la radio. Romain, on fait un duo quand tu veux. Signé Romuald. Ah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je m'attendais à entendre Adeline. Je me suis dit, bon, c'est peut-être Adeline qui allait se carrer sa message. Et là, Romuald, pourquoi pas. Pourquoi pas. Avec grand plaisir. Bon, Romuald aussi c'est pareil, ça aussi, je tiens à le souligner également parce qu'il me doit aussi de le souligner et de le dire à l'antenne. C'est que l'album, une grosse partie de l'album a été financée par, on va dire, les gens qui me soutiennent sur Facebook. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai fait un appel aux dons sur Facebook.
pour finir l'album. Il me fallait une certaine somme. Et j'ai fait un appel aux dons. Et en fait, beaucoup de gens, il y a eu 40 personnes, mine de rien, qui se sont mobilisées pour m'envoyer des dons et de façon à ce que je puisse sortir l'album. Voilà. Et donc, Romuald, Gilles, Adeline, d'ailleurs, Adeline, qui est une artiste également, hein, qui m'ont aidé. Tous ces gens-là m'ont aidé à financer l'album et je la remercierai jamais assez également parce que ce que je vis, comme je disais tout à l'heure, sans public, l'artiste n'est rien. Mais donc voilà, et là, ça se résume beaucoup là. Toi tu le reconnais, merci, voilà. Voilà, et un grand merci justement à toutes ces personnes-là qui m'ont aidé à financer et à qui justement j'avais pris l'engagement à l'époque chaque don qu'ils me reversaient, à la sortie de l'album, je leur envoyais l'album. D'accord. Voilà. Gracieusement comme ça, avec la dédicace, avec une photo dédicacée, je leur envoyais l'album parce que c'est ce qui était normal. Pour moi, ils m'ont aidé, donc c'est normal qu'ils aient l'album entre les mains à ce jour. Donc voilà, je ne remercierai jamais assez. Enfin, c'est juste énorme tout ce qu'ils ont fait plus tard pour moi. Quoi. Voilà, on le sent à ta voix. On le sent à ta voix. C'est toujours touchant et très émouvant pour moi chaque fois d'en reparler. Donc Gilles te répond, je salue mon cher Romain, que j'embrasse, tu as la classe. Voilà, il te répond. Merci beaucoup Gilles. Voilà. Alors justement, tu as une très grande classe, Romain, parce que j'ai suivi un peu ta biographie. Et je vois que tu es engagé dans une association qui n'est autre que l'AMFE, Association Maladie Foi Enfant, laquelle, justement, quand tu vends ton album, tu reverses 2 euros donc à cette association. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de cette association? Donc au départ, si tu veux, j'ai toujours voulu faire partie d'une association parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et en feuilletant un jour sur Facebook, je suis tombé sur cette association-là. Donc d'ailleurs je recommande tout le monde d'aller de taper sur Facebook, même sur Internet, taper la MFE sur Internet et d'aller jeter un œil. C'est juste, ça m'a énormément touché. Ça concerne vraiment les enfants qui sont atteints de maladie du foie. Et pour la plupart des enfants, cette maladie se déclare dès la naissance. Il y a un certain nombre d'enfants qui malheureusement à ce jour sont partis. C'est malheureux à dire, mais c'est la maladie qui veut ça. Donc il y a d'autres enfants qui attendent des greffes de foie également. Donc moi, si tu veux, ça m'a beaucoup touché dans le sens où pour moi, je me dis qu'un enfant, ça n'a pas à connaître le monde médical. À leur âge, quoi. Ça n'a rien à faire dans un hôpital. Pour moi, un enfant, c'est quelqu'un qui va, comme par exemple, avec le temps qu'il y a de maintenant, un enfant, ça doit jouer avec la neige, ça doit faire du sport, ça doit courir, ça doit rigoler, ça doit apprendre la vie, ça doit apprendre plein de choses. Ça n'a pas à être confronté à l'hôpital et être allongé sur un lit d'hôpital constamment. Voilà, moi, je pense également à toutes ces familles également qui sont là, qui attendent une greffe pour leurs enfants, qui sont obligés de dire également aux frères et sœurs de l'enfant concerné que leur petit frère ou leur petite sœur est malade. Moi je pense à tous ces gens-là, notamment samedi dernier, j'étais dans les studios d'une radio, il y a des parents avec leur petite fille qui ont fait le déplacement, leur petite fille qui était malade également, qui ont fait le déplacement, alors que je les embrasse énormément, j'embrasse la petite Adeline, j'embrasse Magali, j'embrasse Jean-Christophe, c'est les premiers parents que j'ai pu rencontrer de la MFE. Donc, moi je pense que cette maladie, malheureusement, si elle n'est pas vécue par les gens, elle ne sera pas reconnue. Moi personnellement, je ne suis pas parent, je ne suis pas papa, je ne suis pas tout ça, mais je suis sensible à toutes ces choses-là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les enfants n'ont pas le droit d'être confrontés à toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que moi je me suis engagé également à reverser une partie de l'album, une partie de l'argent de l'album, à l'association de façon à les faire avancer dans les recherches. Tu dire de plus, à part il faut qu'on se mobilise tous, faut pas qu'on les oublie, faut penser que derrière, pendant que nous on rigole, pendant que nous on parle, pendant que nous on boit un bon verre de vin, il y a des enfants derrière qui sont là couchés dans un lit d'hôpital et qu'il ne faut pas oublier. C'est tout. Il y a des gens qui souffrent par rapport à ça. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants et il faut se mobiliser un maximum. Faut les aider, faut pas négliger cette association. Faut pousser l'association vers le haut, faut la faire connaître, la faire reconnaître surtout. Et ensemble, je pense qu'ensemble, on pourra décrocher les plus belles étoiles parce qu'ils le méritent, ces enfants. Voilà.
Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, je rappelle, c'est l'association Maladie Foi Enfant. Elle se trouve donc du côté du département 92, c'est ça? Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, surtout. Malakoff. À Malakoff, voilà. Ouais. Et donc, la présidente n'est autre que Hélène Gaillard. Et, tout à fait. Voilà. Donc, vous pouvez la contacter via le Facebook, comme tu viens de le dire, Romain. AMFE, oui. N'hésitez pas. Et en achetant, bien sûr, l'album de Romain Vissel, une partie sera reversée donc à cette association. Puisque tu es devenu récemment l'ambassadeur de cette association, Romain. Tout à fait, là c'est tout récent, je suis devenu ambassadeur de cette association. Alors je tiens à souligner également que je ne me sers pas, parce que malheureusement j'ai eu quelques échos par rapport à ça, que je ne me sers pas de l'association pour faire ma promo. Je n'ai pas besoin de cette association-là pour faire la promo, c'est juste que ça me tient énormément à cœur. Je pense qu'il y a des radios qui sont là pour ça. Je me débrouille également pour faire des scènes pour faire ma promo. Il y a Facebook également qui me sert à faire ma promo, mais en aucun cas je me servirai de cette association-là, je me servirai des enfants également, parce que pour moi ce serait ça, c'est ce que ça veut dire. Profiter de l'association, c'est profiter des enfants. Et en aucun cas je profiterai de tout ça. Voilà, moi j'ai pris, moi, si tu veux, c'est pas la MFE qui sont venus me chercher, c'est moi qui suis allé vers eux. Mmh. Et c'est moi qui me suis engagé à verser une partie des ventes des albums. J'étais pas obligé. Je suis pas tout obligé. À fait. Oui, mais bien sûr. Pour moi, c'est, alors, peut-être qu'on va dire 2 euros, c'est pas grand chose. Parce que je reverse 2 euros par vente d'album. C'est peut-être pas grand chose. Mais aux yeux des enfants, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, au bout d'un moment, on va faire une certaine somme. Et c'est ce qui va faire avancer. Donc, voilà. Moi, je me sers pas de tout ça pour ma promo. J'en ai rien à faire, à la limite. Moi, c'est mon côté humain qui parle. C'est pas le côté artiste. C'est mon côté humain. Alors, voilà. Je suppose, oui, avec ton cœur gros comme ça, devenu ambassadeur de cette association, c'est quelque chose de très bien. Je suppose qu'à la longue, tu feras peut-être des concerts ou esprits pour cette association aussi. Alors justement, bah, donc il y a quelques, bon, j'en ai pas trop parlé, mais bon, je vais quand même le dire. Il y a une scène qui est en pour parler pour le moment, c'est dans une société. En fait, il y a une société, bon, je vais pas le dire le nom, hein, ça s'appelle Dassault Aviation. Il y a quand même une grosse société qui est située à Saint-Cloud. Donc à Paris, sont en train de voir pour que je puisse faire un concert d'1 heure ou 1 heure et demie où je pourrais également vendre des albums et où eux s'engageraient à reverser des fonds à l'association. Oui. Voilà. Donc il y a ça. Il y a également là je suis sur un projet pour. Alors, je vais voir. Je sais pas. Je vais voir comment ça peut se passer pour essayer de sortir un single pour l'association. Donc d'ailleurs là récemment on va commencer à préparer le nouveau titre, le nouvel album. Donc il y aura peut-être un single, je dis bien peut-être parce que bon, on verra comment ça va se passer. Il y aura peut-être un single pour l'association qui sortira dans les mois à venir là. Voilà. Alors on a des petits messages ensuite bien sûr à cette association. Donc je tiens à souligner que c'est un très beau geste de reverser quelques euros en achetant son album à cette association, signée Sabrina. Et Gilles te fait dire merci pour ta générosité pour cette association, beaucoup de cœur de ta part. Voilà. Voilà, c'est gentil, mais comme je disais, moi c'est normal. Il faut d'ailleurs je dis aux gens d'aller justement sur le site de la MFE. Faire un don, je veux dire, je filme pas, personnellement je filme pas, mais quand je vois les gens qui achètent 36 000 paquets de cigarettes, je prends l'exemple de la cigarette parce que c'est ce qui vend le plus, hein. Voilà, et quand je vois les gens qui achètent 36 000 paquets de cigarettes à l'année, je pense que 10 euros, même 10 euros, ça va être quoi, ça va faire quoi, ça va pas faire un trou dans le porte-monnaie, genre 10 euros c'est quand même pour une bonne cause, c'est pour une association d'enfants malades en plus, donc... Voilà, n'hésitez pas à lâcher même 2 euros, 5 euros, 10 euros. Enfin, alors certes, pour certaines personnes, c'est peut-être beaucoup, mais moi, quand je vois pour le financement de mon album, il y a des personnes qui n'avaient pas spécialement de moyens, mais qui m'ont fait un don quand même. Donc je pense que là, en plus, ça, c'est pour une bonne cause. C'est pas pour n'importe quoi, c'est pas pour, un truc de cyclisme ou je ne sais quoi, je ne dénigre rien, mais c'est pour des enfants. Pour des enfants, nous qui sommes adultes, on a vécu certaines choses auparavant, je pense que tous les enfants ont le droit de vivre ce que nous on a vécu plus ou moins, enfin, genre, voilà, qui vivent leur vie, quoi, qui vivent pas la vie sur un lit d'hôpital, à savoir que derrière, même s'ils sont greffés, même si entre guillemets guéris de la maladie, ils seront pas guéris dans leur tête. Il y aura toujours cet handicap-là, de dire qu'ils voilà, ils sont toujours malades, peut-être pas physiquement, mais à l'intérieur d'eux, ils sont toujours malades, on va dire entre guillemets. Parce qu'ils auront subi ça, parce que voilà, ça touche le mental mine de rien, donc ouais, faut les aider à surpasser ça, à guérir de cette maladie, et puis voilà, comme je dis tout à l'heure, ensemble, comme je dis souvent, ensemble construisons notre lendemain.
Voilà. Tout à fait, parce que les enfants, c'est l'avenir de la France, les enfants. Voilà, tout à fait. Alors, il y a du monde. Du monde, tout à fait, oui. T'as Nati qui relève un peu ce que tu as dit tout à l'heure, hein, les gens qui critiquent, bon, mais ça, il n'en manque pas, et puis il y en aura toujours. Donc, elle te fait dire que, Romain, ces gens-là ne sont que des langues de vipère. Heureusement que les associations ont des gens comme toi. Voilà. Mais c'est vrai, après, c'est gentil. Mais après, c'est vrai qu'il y aura toujours des critiques, même si c'est pas par rapport à l'association. Tout à fait. Même par rapport à moi, ce que je fais, il y aura toujours des critiques. Ça, c'est clair. Comme je disais tard, on ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, voilà, faut savoir prendre peut-être les critiques aussi comme constructives. Je me dis que des fois, quand on fait une critique, c'est peut-être parce que la personne l'a pensé. Donc, moi, je me remets en question aussi. Il faut savoir aussi se remettre en question. Et voilà. Donc, voilà, faut savoir prendre le pour et le contre et puis avancer par rapport à tout ça. Voilà. Et bien, avec tout ça, mon petit Romain, on va faire un nouveau départ. Un nouveau départ avec grand plaisir. T'as vu cet enchaînement? Bon. C'est magnifique. Un nouveau départ, donc, c'est une chanson ici de ton album Confidence. Alors, un nouveau départ, tu parles de quoi? Tu parles d'un nouveau départ pour toi et pourquoi? Alors, un nouveau départ, si tu veux, bah, c'est pareil, c'est par rapport aux mois qui se sont écoulés ces derniers temps de ma vie, où moi j'ai vécu une séparation, où ça a été très très compliqué. Bon, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Si tu veux, moi, c'est vraiment, cette chanson-là veut dire vraiment ce que ça veut dire, c'est un nouveau départ. Je prends un nouveau départ tout en disant à la personne de ne pas m'oublier. Enfin, c'est vraiment une histoire, je pense, à découvrir par via le titre. Voilà, je vais pas en dire plus parce que bon, c'est quand même aussi quelque chose qui me touche un peu, c'est au niveau de ce titre-là. Oui. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué ces derniers mois. Bon, alors voilà. Un nouveau départ, voilà, tu l'as dit tout à l'heure que tu étais célibataire, tu en as trop dit, bon, ben maintenant, tu es parti dans un nouveau départ et on va te suivre tout de suite et n'oubliez pas, envoyez, hein, j'essaye de les lire au fur et à mesure, hein, les messages, parce qu'il en arrive plein, n'hésitez pas à écrire vos petits messages, voilà, ça arrive encore sur le Facebook de la Radio d'Artagnan et nous, Romain, on va prendre un nouveau départ, on va écouter ça tout de suite et tu restes avec moi, hein, n'oublie pas. Je ne pars pas. Je prends pas de nouveau départ, je reste là. À tout de suite. À tout de suite. Après une nuit agitée, je me réveille, tu n'es plus là. Je te regarde éloigner. Au loin, tout là-bas, en vain, j'essaie encore d'y croire. Mais au fond de moi, je sais bien que tu ne reviendras pas. T'en vas pas, reste avec moi, je prends un nouveau départ. T'en vas pas, reste avec moi, laisse-moi encore un espoir. En laissant les valises du passé sur un quai, les abandonner. Mes pas m'entraînent au hasard, mon âme remplit de tes espoirs. Sur le quai d'une gare, le passé file devant moi. Cette ville sans lumière, mon cœur saigne mais sous ce noir, aucun retour en arrière. T'en vas pas, reste avec moi, je prends un nouveau départ. T'en vas pas, reste avec moi, laisse-moi encore un espoir. Partir en laissant les valises du passé. Abandonner.
ne pars pas. T'en vas pas, reste avec moi, je prends un nouveau départ. T'en vas pas, reste avec moi, laisse-moi encore un espoir. On n'est pas parti, non, non, on est là. Hein. on est toujours là. Un nouveau départ, Romain Vissel, issu de son album Confidence. Il faudra que tu m'envoies un carton d'album, Romain, pour que je puisse les distribuer ici. Hein. Oui, ça marche, pas de souci. Avec plaisir. Hein. Je suis complètement dépassée ce soir. Hein. J'ai... Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, donc superbe, ça arrive. Alors, au fur et à mesure, j'essaie de te les lire. Superbe. Merci Corinne, oui c'était un timide mais c'était un garçon super gentil et plein de talent, je suis très fière de lui, je le laisserai jamais tomber, son album est superbe, il a beaucoup bossé, voilà Gilles, attends, hein, j'ouvre, c'est Françoise qui nous envoie, donc belle émission, bel album aussi, bravo Corinne, voilà, c'est... Je pense que j'ai tout dit pour l'instant, voilà, tous les petits messages qui arrivent via le Facebook de la Radio d'Artagnan. C'est vraiment très, très touchant encore une fois. C'est... Je pense que je l'aurais dit, pas mal de fois ce soir, mais et je continuerai à le dire, c'est vraiment c'est que du bonheur d'avoir des gens comme ça qui nous soutiennent, qui nous portent vers le haut. Et voilà, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Il faut le prendre, le bonheur. Et c'est vrai que tu vois, on fait découvrir des nouveaux talents et après tout, ben, nous ce qu'on pense à Radio d'Artagnan, c'est que les nouveaux talents, des fois, ils plaisent plus que les vedettes actuelles. Bah ouais, peut-être. Des fois on est peut-être saturé d'écouter toujours les mêmes musiques et de découvrir de nouveaux talents aussi, ça fait plaisir hein. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement on entend beaucoup la même chose quoi. Et je pense qu'on est quand même pas mal également à vouloir essayer de faire autre chose. Moi d'ailleurs pour ma part, c'est pour ça que j'ai voulu rester dans un monde de variété, de pop variété, parce que malheureusement la variété plus ça va et plus ça se perd quand on regarde bien, oui. Quand on écoute bien. Oui. Et c'est vrai que moi je veux rester dans ce registre-là, même si bon c'est vrai que le prochain album, genre je vais en dire un peu plus, même si c'est vrai que le prochain album sera peut-être différent dans le sens où je vais casser l'image du Romain, on va dire, sentimental. On va faire des textes plus universels qui parleront un peu de tout en général. Et qui est sera un album un peu plus festif, mais avec des textes après qui voudront dire quelque chose, pas des textes insensés qui ne veulent rien dire du tout. Non, des textes qui auront un sens, comme dans toutes les textes que j'ai pu faire là sur l'album Confidence. Donc moi je veux rester vraiment dans ma bulle, je veux rester dans ma bulle. Voilà, je veux pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre, ni même ressembler à ce qu'on entend actuellement. Je veux rester moi-même, c'est tout. Surtout, voilà. C'est très important, je pense, ça pour un artiste, de rester soi-même et surtout de ne pas prendre la grosse tête et voilà, de rester avec les pieds sur terre parce que des fois, la descente est fatale. Ouais, c'est clair. C'est vrai que certains artistes ont le don de se mettre sur un piédestal, de prendre non pas le melon, mais la pastèque en guise de grosse tête. Oui. Donc, moi, c'est dommage parce que moi, c'est vrai que comme je dis assez régulièrement, ça reste de la chanson, quoi. C'est pas non plus extraordinaire. Je veux dire, pour ma part, du moins, moi, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une passion. Je pense qu'pas mal de gens ont une passion dans leur vie. Là, c'est le dessin. Il y en a d'autres, c'est le cheval. Il y en a d'autres, c'est la course à pied. D'autres, c'est le foot. D'autres, c'est la radio. Voilà, moi, j'ai ma passion, c'est le chant.
Voilà, donc j'ai pas envie de me, j'ai, pour moi je reste moi-même, je me prends pas la tête. Voilà, et c'est, je pense que aussi c'est ce que les gens apprécient également quand un artiste reste humble et reste lui-même. Voilà. Alors justement, tu parles que c'est une passion, la chanson pour toi. Est-ce que tu as d'autres passions ou est-ce que tu as des loisirs à côté de ça? Ah bah écoute, j'ai le sport, c'est un loisir. J'aime beaucoup la photographie, j'aime beaucoup profiter de la nature également, parce que je pense que c'est quand je vais me promener dans la nature, ça m'inspire, ça me ressource, ça me fait du bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup voir d'autres choses, m'inspirer de pas mal de choses. Donc voilà, après c'est des choses communes comme tout le monde, quoi. Voilà, grosso modo, on va dire les choses principales, voilà, c'est moi, c'est la musique, le sport, la photographie et la nature. Voilà, pour parler plus personnellement, voilà. Bon, alors maintenant, nos auditrices et nos auditeurs ont découvert une partie de ton album, mais juste une petite partie. Est-ce que tu as, toi, Romain, un Facebook, un site internet où on peut te contacter et où on peut se procurer justement ce CD? Alors oui, tout à fait. Donc j'ai un Facebook. Donc c'est simple, juste aller sur Facebook, taper Romain Vicelle. Alors attention, j'ai un Facebook perso sur lequel je n'accepterai personne, si ce n'est mes amis. Sinon, j'ai un Facebook. Romain Vicelle, un Facebook, de toute façon, ça se voit au nombre d'amis que j'ai sur Facebook, ça se verra tout de suite. Et j'ai un Facebook également officiel, donc Romain Vicelle officiel. Voilà, donc pour toute personne qui souhaite se procurer l'album, rien de plus simple, en fait, il y a juste à me, pour le moment, attention, je précise bien, il y a juste à me contacter sur Facebook en me demandant, qu'on veut acheter l'album. Les paiements se font pour l'instant, je le précise. Chaque personne envoie un chèque ou de l'espèce à mon adresse que je communique sur Facebook en message privé, bien évidemment. Et par la suite, donc il y aura un compte PayPal qui va arriver là très prochainement. Ou sinon sur le site donc www.artlessmusic.com. Donc Artless, je vais te dire comment ça s'écrit parce que des fois j'ai un peu de mal à les plaies. Alors Artless, c'est ARTLE2SMUSIC. .com. Voilà. .com. Voilà, tout attaché à artlessmusic.com. Donc il y a une page qui m'est dédiée. Et donc vous retrouverez également le lien de la MFE. Vous retrouverez également tous les titres, tous les extraits de mes titres sur cette page-là. Le clip également, parce qu'il y a un clip sur mon site Be Yourself. Le lien aussi pour toute personne qui souhaite télécharger le single sur les plateformes de téléchargement. Et donc il y aura également le lien très prochainement sur le compte PayPal. Voilà. Très bien. Alors le Facebook Romain Vicelle. Alors Romain, c'est comme le prénom, hein, Romain. Alors voilà. Vicelle, ça s'écrit V-I-C-E-L. Voilà, à préciser aussi. Donc, vous allez sur le Facebook de Romain Vicelle, il vous acceptera ami. Et après, vous aurez bien sûr sur cette page comment acheter le CD, se le procurer, voilà. Alors, et Romain, est-ce que, maintenant que nos auditrices et nos auditeurs t'ont écouté, est-ce que tu as des concerts de prévu? Alors, j'ai un concert qui arrive là le 29 mars à Mirande. D'ailleurs, je vais pas être loin de vous. Et oui. Je serai là-bas pour les élections de Miss Gers, donc Miss Prestige. Donc je ferai une représentation là-bas. Ça mériterait que tu fasses un détour dans les studios, hein, ça. Bah écoute, moi ce serait avec un immense plaisir. Ce serait avec un immense plaisir, bien au contraire. Ensuite, j'ai pas de date précise, mais il y a normalement le concert, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à Dassault Aviation qui va se faire. Oui. Je l'espère, je croise les doigts. Et du tout du bois. Et donc après, il y a le fameux concert le 14 septembre avec la radio d'Artagnan. Il me semble, je ne me trompe pas de date, il me semble. Mon Dieu, il l'a dévoilé. Ah, fallait pas. Si, bien sûr. Ah bon, ouf. Voilà, le premier invité du concert de Radio d'Artagnan. Eh oui, le 14 septembre, voilà. Je me suis vendu. Okay. Non, mais t'as absolument bien fait. Le 14 septembre, effectivement, il y aura le concert Radio d'Artagnan, comme tous les ans, où Romain Vicelle sera sur scène. Voilà, tout à fait. Je vais être harcelé avec mes auditrices maintenant. Mais après, il faut qu'ils soient là le 14 septembre. Je vais tous les voir le 14 septembre. Et tu amèneras des photos, hein, parce que tu seras obligé de dédicacer les photos. Ça marche. Mais j'amènerai même les bouteilles de champagne s'il faut.
Eh bien, tu peux en amener des bouteilles de champagne. Bon, ok. T'inquiète pas, on te les offrira, les bouteilles de champagne. Oh, moi, c'est gentil. Voilà, on est vraiment ravis de te faire découvrir sur scène, parce que vraiment, tu le mérites. Et puis, bon, quoi qu'il en soit, c'est un album qui est vraiment superbe. Il n'y a pas d'autre mot. Ben, merci. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un album qui me résume, qui parle de moi. C'est vraiment un album autobiographique. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, surtout, non pas à l'acheter pour moi spécialement, mais aussi pour l'acheter pour l'association. Voilà, parce que je le répéterai jamais assez, ils ont besoin de vous. Tous ces enfants, toutes ces familles ont besoin de vous. Tout à fait. Donc, l'album, voilà. N'hésitez pas à le commander via le Facebook de Romain Vicel, dont Romain, le prénom, Vicel, V-I-C-E-L. Romain, voilà. Tu donneras de toute façon toutes les conditions hein, pour recevoir l'album, voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, Romain sera en concert le 29 mars, je crois que c'est un vendredi. Voilà. Un vendredi soir. Un vendredi 29 mars, donc du côté de Mirande, pas très loin de chez nous, hein, dans le Gers. Mm-hmm. Et donc, le 14 septembre pour le concert de Radio D'Artagnan. Ça, c'est voilà, un immense plaisir. Fait, c'est ça. Bon. Bah, moi aussi, c'est un immense plaisir, un grand honneur également d'être parmi vous à cette date-là. Alors, voilà. On a des petits messages avant d'écouter Le Bras Levé, où tu vas nous parler un petit peu de cette chanson. J'ai des messages. Oui. Donc, Amandine qui te fait dire « Je remercie énormément Romain pour sa dédicace qu'il m'a fait avec un gros cœur. » Mon Dieu, des cœurs partout. voilà. Sabrina, 1h30 de pur bonheur et waouh, au concert de Radio D'Artagnan. Yes. Bon, alors déjà, voilà. On va avoir le monde qui va arriver. Okay. Et après, j'essaye d'ouvrir un peu tout. Voilà. Il a vendu la mèche, et un CD, merci, voilà, Nati, qui descendra de Paris pour venir au concert de Radio D'Artagnan, donc tu descendras un CD en même temps pour Nati. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà, voilà. Bon, on va combler la salle, c'est bon, tu vois, en une heure, je vais combler la salle pour Radio D'Artagnan. Bon, bah, impeccable alors. Tu vois, on a tous le bras levé ici, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est pour annoncer ta prochaine chanson, Le Bras Levé. Eh oui. Alors, le bras levé. Je vais te laisser l'honneur d'en dire deux petits mots, si tu veux. Alors, Le Bras Levé, c'est une chanson très, très, très particulière pour moi, qui à chaque fois, on va dire, me met les larmes aux yeux quand je l'écoute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça parle de la disparition de mon grand-père. Donc, je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette disparition. Donc, il était sur un lit d'hôpital. Et si tu veux, donc toute la famille était réunie pour un soir, comme ça, parce qu'il avait demandé à tout le monde de venir un soir lui faire un bisou, quoi. Et si tu veux, donc ce soir-là, j'étais le dernier à être sorti de la pièce, de la chambre d'hôpital. Donc c'est mon père et mon oncle qui sont venus me chercher. Je suis un peu désolé, je suis un peu ému, là. Oui, mais ça va être bien. Et en sortant, donc je me retourne, et il me fait un signe de la main. Un signe d'au revoir de la main. Donc là, moi j'avais compris tout de suite, personne l'avait vu ce moment-là, mais j'étais seul à avoir vu mon grand-père me dire au revoir comme ça. Donc on sort, et là je dis à. Donc on sort de l'hôpital, je suis on est dehors avec toute ma famille, je dis à ma mère, regarde le ciel là-haut. En fait, si tu veux, c'était vraiment un soir, une nuit bien étoilée et tout, bien dégagée. Et parmi toutes les étoiles, il y avait une étoile qui brillait plus que les autres. Il y a vraiment, mais je vais dire qu'il y a vraiment une étoile qui brillait plus que les autres. Et je dis à ma mère, regarde maman, c'est papy là-haut. Et véridique, la nuit même qui a suivi, on a eu un coup de téléphone de l'hôpital, donc mon grand-père était parti. Voilà, mon Dieu. Le bras levé, c'est tout de suite sur Radio D'Artagnan, et ce qui est sûr, Romain, c'est que cette étoile te suivra tout le temps. Merci. Où ta vie devait s'achever, en fermant tes paupières pour la lumière. Le temps vient de remplir sa mission. Il te fallait repartir, prendre une autre direction. Un bel ange as-tu passé,
être un fils, un bébé. De ton sang dans mes pas, bien au-delà. Le temps vient de remplir sa mission. Il te fallait repartir, prendre une autre direction. Je ne pourrais oublier, tu m'as salué. Je regarde le ciel, te donne de mes nouvelles. Des messages à l'appel, j'adoucis mes séquelles. Apaisé, le bras levé, tu m'as salué et je t'ai laissé. Soulagé, éveillé, le bras levé, apaisé, l'esprit guidé, soulagé, le bras levé, tu m'as salué. Un bel ange as-tu passé, tu m'as salué. Je revois cet espoir. Le bras levé, l'esprit guidé et apaisé. Je revois cette étoile en quittant l'hôpital. Comme un message astral de ta part, un signal. Je revois cette étoile et ce message astral. Je regarde le ciel, te donne. Le bras levé, hein, encore une superbe chanson hein, de Romain Vissel. Voilà, là il n'y a plus le choix. Je pense qu'il faut que vous procuriez à tout prix cet album que j'ai sous les yeux. C'est vraiment un honneur, hein, Romain, d'avoir cet album à Radio D'Artagnan. Bah merci beaucoup. C'est un grand plaisir de te l'avoir fait parvenir. Voilà, je suis content de le faire découvrir comme ça. Donc ouais, c'est un grand plaisir pour moi. Alors, on a des messages qui sont arrivés via... Ça y est, je commence à bégayer. Ah, mais ça, c'était sûr. Hein. Via contact@radiodartagnan.com. Donc, Romain, 25 ans, bien dans sa tête. Merci, Romain, pour ce que tu as fait pour ses enfants. Tu peux compter sur moi. Je serai toujours à tes côtés. Surtout, ne change jamais. Je t'aime, ma caille au raisin sec avec un petit tariquette. Ça, c'est Gérard, ça. Ça, c'est Gérard. Eh bien, quel menu, Gérard ? Bon. Le 14 septembre, je serai là. Et pour la nature, Romain, tu viens dans les Hautes-Pyrénées. Alors, les Hautes-Pyrénées, Gérard, c'est pas loin de chez nous. Hein, donc, voilà. Donc, le 14 septembre, il sera là. Et oui, bon, y a pas de problème. Avec plaisir également. Voilà. Donc j'ai des messages. On me dit ça va être à guichet fermé. Voilà. Encore une superbe soirée. Merci. Des messages qui viennent de partout. Je remercie d'ailleurs toutes les auditrices et les auditeurs, toujours très nombreux le mercredi soir. Et c'est vrai que Romain Vissel, c'est vraiment un nouveau talent qu'il fallait à tout prix découvrir. Alors Romain, tu vois, on a dépassé, hein, on a beaucoup parlé avec toi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire et c'était très intéressant. Moi, ce que je vais faire, hein, je vais te donner le mot de la fin. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan? Bah déjà, je voudrais vraiment tous les remercier pour leur soutien, pour les messages qu'ils ont pu laisser ce soir. Vraiment merci du fond du cœur, parce que comme moi personnellement, c'est ce qui me fait avancer également. Donc un grand merci à tous. Merci à Géraldine Potron, donc ma compositrice. Merci à Frédéric qui j'espère de là où il est m'entend. Merci à tous mes amis, merci à ma famille qui ont toujours été là. Merci à toutes les personnes qui m'encouragent sur Facebook. Qui est également ceux qui ont financé pour l'album. Un grand merci à tout le monde. Merci à toi Corinne et à toute la radio d'Artagnan pour nous permettre de nous faire découvrir comme ça avec des très belles émissions comme tu proposes. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. C'est que du bonheur pour nous, pour moi.
Donc voilà, un grand, grand merci. Je ne le dirai jamais assez. Voilà. Bon, eh bien, nous, ce qui est sûr, j'ai pas besoin de te dire, j'espère qu'un jour, tu viendras dans le studio de Radio D'Artagnan, parce que ça sera fait, hein, le 14 septembre, tu passeras la journée avec nous à Radio D'Artagnan, avant de te produire sur scène le soir, hein, où tu nous chanteras tout l'album. Donc, ça c'est dit, dans le Gers, vous l'aurez déjà le 29 mars à Mirande, et donc le 14 septembre au fameux concert de Radio D'Artagnan. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez déjà réserver. Romain Vissel sera parmi nous, voilà. Alors, l'album, surtout, on va rappeler, pour se procurer cet album Confidence, n'hésitez pas à aller sur le Facebook de Romain Vissel, dont Romain, le prénom tout court, Vissel, V-I-C-E-L, hein, pour se procurer l'album. Et puis... Ou sur le site www.artlessmusic.com. Voilà. Tout à fait. Alors, nous, on va se quitter avec deux chansons. Bah oui, hein. Oui. Tant qu'on y est... Eh oui. Alors, il y a Avant vous. Oui, Avant vous. En fait, cette chanson-là a été complètement refaite de A à Z. Parce qu'au final, au départ, cette chanson-là n'avait rien à voir avec la version que t'as là. Ça n'a absolument rien, enfin, ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne version. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment à côté. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'était, on cherchait un univers. Oui. D'accord? Parce que, comme je disais tout à l'heure, je voulais quelque chose de différent. On a revenu sur mon style de base. Voilà. Donc, cette chanson-là, au départ, était un peu variété, mais très blues. Et quelque chose qui me correspondait pas spécialement, quoi. Et je me retrouvais pas plus que ça dans cette chanson-là. Oui. Et Géraldine, donc, a retransformé cette chanson-là. Et a fait, justement, la chanson qu'on va découvrir maintenant, qui se rapproche beaucoup de qui est pop variété. Et en fait, cette chanson-là s'adresse, justement, à toutes les personnes qui me soutiennent. Et je vais pas dire fan, parce que, pour moi, fan, c'est un grand mot, et je suis encore, pas assez connu ni même reconnu, voilà. Pour moi, je dis pas le mot fan. Pour les personnes qui me soutiennent, pour moi c'est ça. Voilà, cette chanson leur est dédiée parce qu'elle a été écrite pour eux. Voilà. Donc d'où le titre Avant vous, ça résume donc ma vie avant, ma vie de maintenant. Voilà. Bon. Et puis on va finir. Ça c'est Corinne, tu connais, qui l'a choisi. Ton coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur. Voilà, j'en ai tout le temps, hein, moi, des petits coups de cœur. Et puis quand j'ai des coups de cœur, c'est des coups de cœur. Hein, voilà. Bon. Et c'est la chanson Aussi loin que l'on peut. Voilà. Oui. Je la trouve magnifique. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi de cette chanson, Romain? Aussi loin que l'on peut, c'est pareil. Bah, comme je dis depuis le départ, c'est vraiment une chanson qui résume encore une partie de ma vie sur les deux ans qui se sont écoulés. Donc, ça parlait d'une personne, avec qui j'ai pu partager ma vie à un moment donné. Donc, voilà. C'est tout. C'est tout. Bon. Alors, voilà. Moi, j'ai un petit message d'une jeune fille, Mélanie, qui s'appelle, un message Facebook, oui. Qui me dit, moi, j'adore la chanson en duo avec la jeune fille, j'en suis amoureuse. De la chanson, hein. Ah. Oh là là. Oh. Il y a pas de problème. c'est très gentil. Voilà, très gentil. Merci beaucoup. Je pense que ton album donc a beaucoup plu, Romain. Je pense que les Gersoises t'attendent avec impatience du côté du Gers. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir cet album, vous pouvez contacter aussi la radio. Hein. Je donnerai toutes les coordonnées. Il y a aucun souci. Voilà. Ou demandez Romain Vissel, donc ami, et il vous expliquera comment se procurer cet album. Alors Romain, eh bien, on va te laisser parce que t'as vu, on a largement dépassé ce soir, mais ça le méritait largement. Romain, moi je vais te souhaiter une très très bonne soirée. Ben merci également, et c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir être là parmi vous tous. Donc, voilà, c'est moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir, un très très bon moment passé avec toi, Corinne. Donc voilà, à renouveler quand tu veux, il n'y a aucun problème. Et puis voilà, je vais juste rajouter mon petit mot de la fin, n'oubliez pas la MFE,
Voilà, donc je le rappelle, 15 euros l'album, 2 euros seront remboursés par vente d'album à l'association. Donc n'oubliez pas les autres, ces enfants. Voilà. Tout à fait, c'est vraiment le mot de la fin. Voilà, les enfants, c'est l'avenir du monde et il faut penser à eux parce que, comme dit Romain, ils seraient mieux en train de faire des bonhommes de neige ou de taper dans un ballon que d'être dans les hôpitaux. Ça, c'est clair. Voilà, tout à fait. Romain, voilà. À très bientôt. Hein, de toute façon, avec grand plaisir. Bah, le 14 septembre, c'est sûr, tu chantes que le soir, mais toute la journée, tu la passeras à Radio D'Artagnan. D'accord, bah écoute, avec un immense plaisir et puis... Et puis voilà, j'ai hâte de vous rencontrer tous, et notamment les auditeurs également, ceux qui pourront faire des déplacements, et avec qui je passerai un bon moment pour pouvoir échanger un peu quelques paroles. Donc voilà, ce sera un très grand moment pour moi, je pense, le 14 septembre. Et pour voilà. Nous aussi. On va finir donc avec tes deux chansons, Avant vous et Aussi loin que l'on peut. Romain, très très bonne soirée. Je vais remercier quand même toutes les auditrices et auditeurs parce qu'il y a encore des messages, mais vous inquiétez pas, je les transmettrai à Romain. Vous avez été très nombreux à nous envoyer des messages ce soir et je tiens à remercier aussi mes auditrices et mes auditeurs pour le soutien qu'ils ont pour cette émission. Les nouveaux talents qui me tiennent à cœur, ils le savent. Et ça me fait moi toujours plaisir tous les mercredis de faire découvrir un nouveau talent. Et mercredi prochain, il y en aura un autre. Le mercredi après encore un autre et voilà. Et gros bisous à toi Romain, très très bonne soirée. Bah, gros bisous également et un gros bisou à tout le monde et puis passez à tous une très très bonne soirée. Bon appétit à toutes les personnes qui n'ont pas encore mangé, donc oui. Fin du mois dîner. Donc voilà, un gros bisou à tout le monde et puis à très vite alors. À très vite. Merci Romain et on finit avec toi ce soir. Merci à vous, très très bonne soirée et puis à très bientôt. Bye bye. Je croyais que je n'étais pas prêt. À peine si j'y pensais, si je pouvais oser vous desserrer les taux. Le poids du hasard, je saisis un nouveau départ. Rien n'arrive jamais seul, me laisser aller. L'amour à l'autre seuil, allez. On dit que la vie, c'est pas le paradis. Mais vous, mes amis, vous me l'avez prédit. Au fil des jours, un carpe diem. Fidèle Jacques, je vous dis je t'aime. Entre nous, c'est un tout. Parmi nous, pas de remous. Avant vous, j'en ai rêvé. Avant vous, je l'ignorais. Pas d'affaires étrangères au ministère du cœur. Vous savez bien y faire, y mettre un point d'honneur. Et si de cette flamme vous prenez l'envie de chanter pour cette femme, ma vie. Rien n'arrive jamais seul, me laisser aller. L'amour à l'autre seuil, allez. On dit que la vie, c'est pas le paradis. Mais vous, mes amis, vous me l'avez prédit. Au fil des jours, un carpe diem. Fidèle Jacques, je vous dis je t'aime. Entre nous, c'est un tout. Parmi nous, pas de remous. Avant vous, j'en ai rêvé. Avant vous, je l'ignorais. Je l'ignorais. Avant vous, je l'ignorais. On dit que la vie,
toi et moi. C'est un peu une chance, sinon mieux. L'un et l'autre on supporte ce que la vie nous apporte. Revisitons les cieux, éternel quand on est deux. Sortons des pages de l'histoire, que la fin soit illusoire. Tellement doux, miraculeux. À nous de faire en sorte qu'il frappe à la bonne porte. Et demander à Dieu d'accepter ce dernier vœu, de supprimer les couloirs qui nous mènent nulle part. La 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 la. Tu
fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime.